Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour le 23ème épisode de Assassin's Creed 2, donc la saison finale. On n'est pas loin les amis de la fin, donc c'est parti, on poursuit. Donc la dernière fois on a plutôt galéré, j'ai acheté une nouvelle arme, on va la tester dans cet épisode. J'ai l'air d'être plus rapide avec l'arme, honnêtement quand je mets un coup, j'ai l'air 5 fois plus rapide. Et un morceau d'armure il me semble, donc nous en manque plus qu'un, il va nous falloir 16 000 encore d'argent en plus, donc à voir si on l'a, mais sinon, ou si ça sera la fin. Montre-toi, je sais que tu es là. J'ai quelque chose que tu aimerais bien récupérer. Ah, tes enfants te manquent peut-être. Oh, Ezio Auditore. Quelle agréable surprise. Laissez-moi deviner, vous êtes les frères Orsi? Ludovico et Checco. C'est bien nous, à ton service. Basta! Qu'avez-vous fait de mes enfants? Relâchez-les! Bien sûr, signora. Nous serons ravis de te les rendre, ou plutôt de les échanger, disons, contre une carte. Je crois que tu oublies la pomme, mon cher frère. Ah oui, et la pomme, c'est vrai. Si tu refuses, je me ferai un plaisir d'égorger ta progéniture. Bastardi! Comment osez-vous me menacer? Je ne vous donnerai rien. Vous avez mes enfants? Gardez-les. J'ai tout ce qu'il me faut pour en faire d'autres. Si tu changes d'avis, ils seront dans le village aux abords de la cité. Tu as une heure. Caterina, non. Je ne peux pas vous laisser sacrifier vos enfants. Mais je n'ai pas l'intention de les sacrifier. Vous allez me les ramener, Ezio. Oui. Vous avez ma parole. La pomme sera en sécurité dans la citadelle. Veille sur elle. Ah là là, sauver les enfants de Caterina. Il a bien mûri, Ezio. Hein. Ah oui, d'accord. 10 minutes. Faut trouver les deux là. Les deux sgags. On va aller se les faire. Faut en sauver deux. Donc je dois les sauver. D'accord. Est-ce que je vais devoir les tuer les deux autres? Mais non, je crois pas. Hein. Ça va être les sauver. Donc c'est parti. 10 minutes. Let's go. Salut mec. Ah ouais, c'est vrai, je suis complètement con, il va m'en perdre direct. En plus, je cours. Je suis vraiment... J'ai peur de rien. Je doute que ça va passer, ça, parce que obligé, il va un qui va me rattraper. Pas genre, je ne sais comment, mais... Il y en a un qui va me rattraper. Hop, allez vite. T'as, si j'arrive à la semer, balèze. Hein. Balèze. Ah, maintenant, il faut que je les trouve. Ah bah ouais, j'ai reçu la SME. Ils s'en vont pas, ok, bah nickel. J'ai de la chance que c'était hors de la cité. La chance me perdra un jour. Alors, où est ces enfants? Où ils sont? Ah, bah il y a un coffre. Je ne dis jamais non à un coffre. Je vois qu'il y a trois ennemis là. Est-ce que les enfants seraient là ou autre part? C'est chiant, c'est que j'ai plus la carte quand je fais la vision d'aigle. Donc du coup, j'ai du mal à me repérer. Ah, est-ce qu'ils sont au centre? Ça me rappelle un peu la mission avec Dante. C'est un peu la même chose. Ah, un petit coffre. Bon, je prends. J'ai 8 minutes pour les trouver. Normalement, largement le temps, hein, mais... Je vois pas où ils sont, il y a trois mecs là. Trois gars qui se battent en duel. Vous n'êtes que tous les deux pour me surveiller? Ah, cible repérée. Vous n'avez aucune chance. Ah d'accord. Ma maman va vous botter les fesses. Dans ma famille, les femmes ne sont pas des mauviettes. Ok, bon, on n'a pas le choix. Je vais l'archer en priorité. Ne le laissez pas s'enfuir. Et si vous croyez que vous me faites peur, et ben vous vous trompez. Ah putain, il m'équipe pas de l'épée. Ah, par contre, il y en a peut-être un peu trop. Je me casse. D'accord.
Ouais, ok. Ah putain, ça m'agace. Gars, je sais pas pourquoi ils me font ça. Ouais, bah, d'accord, mais oui, bien sûr. Que dans le jeu que ça arrive. Elle a 15 000 gardes. Non, mais 15 000 gardes. Comment tu veux que je les bats? Non, mais faut arrêter le délire à un moment. Franchement, putain, c'est. Casse-couille, hein. Attends. Sérieusement, 50 gardes, on n'est pas dans la 584, hein. Il faut, je sais pas, faut atterrir un moment. N'importe quoi ici. Putain, je vais les semer, c'est pas grave, j'ai 6 minutes. Je vais les semer, et je vais aller par la mer. Ça, je vais bien les niquer comme il faut. Ceux dans le fond, ils sont complètement cons, on est d'accord. On est d'accord que l'IA dans ce jeu, ils sont complètement cons. Je veux dire, genre là, comment il montait Anzio par la mer là? Ah, et tu veux me dire que ça arrive aussi vite? Ah, et c'est bon, ouais. Oh, et c'est bon là. Faut arrêter le délire. Tiens. Tiens, dégage. Berserk. Ah d'accord, il reste ton frère. Bon, là qu'il a parlé de deux enfants. Ah, du coup il va falloir j'en tue un. Ah ok, bon. En fait ça va être genre, ah putain ça compte en plus. Ah oui, bah j'ai mis beaucoup trop de temps en fait. Ah j'ai mis trop de temps, le con. Minutes pour le tuer, c'est encore faisable, mais s'il y a encore une mission après, non, c'est devenu infaisable. Il est en haut, il est dans une tour, vas-y, par hasard. Ah, il est en haut. Ah merde, lui je l'avais pas vu. S'il vous plaît monsieur, je dois aller aux toilettes. Il faut que j'aille faire pipi. Ne manquez que ça. Mais tu vas te taire, oui. Ah, voilà. Dégage. T'es vraiment haut lui. Tiens, voilà, dégage. Toi, lui, je l'ai tué en 5 secondes. Propre. Katerina a commis une erreur en t'envoyant. C'est toi qui as commis une erreur en te montrant aussi cupide. Est-ce qu'au moins ça en valait la peine? Plus que tu ne le crois. Le maestro a eu ce qu'il voulait, grâce à moi. Tu peux emporter ta fierté dans la tombe. Elle ne te servira à rien. Allez, salut. Ah, super, il n'y a plus de temps. Moi, j'ai géré. Pas de quoi. Bien. Je m'en suis encore pas trop mal sorti. Ah, le petit point de synchronisation qui fait plaisir. Franchement, je prends, ça fait toujours plaisir. Ah, du coup, ça fait bizarre d'avoir la carte. Mais je prends. Ah, et maintenant, je suis à Konito. Ok. 5, il y a 73 points de synchronisation. Impressionnant, quand même. Franchement, impressionnant. Bon, maintenant, le tout, c'est de revenir dans la forteresse. Bon, on aura réussi cette mission. Ah, là, vraiment, là, vu qu'on approche de la fin, comme tous les Assassins de Suède... Ça devient des missions... Oh, est-ce que je peux passer par ici? Ça devient des missions plutôt compliquées. Hein. Franchement, là, on a monté de level. Et oui, c'est vrai, je peux passer normalement.
parfait. 15 000, ce n'est pas assez. Il m'en manque 12. On va faire réparer tant qu'on y est. Hop, parce que comme ça, je vais regagner ma vie. Pas bête, hein. Pas bête. Il y a eu un nouveau truc. Non, du coup, lui, c'est bel et bien le dernier, les amis. Et on aura notre vie au complet. Et ça, ouais, y a rien d'autre. Donc le plus fort, c'est... Je crois que j'ai pris le plus fort. Alors, après, tout dépend, hein, avec la déviation, celui-là, il est un peu plus fort. Mais bon, il perd en vitesse en dommage. Largement, bon, là, la massue, elle gagne en deux... Elle fait égal en dommage. Non, elle est pire. Non, vraiment, on a pris la meilleure, quoi. Franchement, on a pris la plus... comment je peux dire? Équilibrée. Voilà, l'arme la plus équilibrée. C'est vrai, il y a toujours des armes plus fortes en dégâts ou autre, hein. Ça c'est dans tous les jeux, ça existe, c'est comme ça. Allez là. Mais on va si. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée, Ezio. Vraiment désolée. Pourquoi? Ce n'était qu'une ruse pour nous faire baisser notre garde. Peu après ton départ, ils ont lancé une autre attaque. Checo Orsi, il a la pomme. Quoi? Non! Où est-il? Nous l'avons suivi jusqu'ici. Mais ce bastardo s'est enfui dans les montagnes. Je vous laisse. Putain. Trouver éliminé Checo Orsi. Checo Orsi. Pour récupérer la pomme. Alors lui, c'est un homme mort. Ce gars est déjà mort d'avance. Ouais, du coup, le jeu là me dit sort. Il est pas dans la forteresse. Bon, bah j'ai déjà éliminé son frère, donc son frère c'était juste une ruse en fait. Ok. D'accord. Le fait que ça ensuite débugué. Ok, d'accord, pas de problème. Ouais. D'accord. Mais oui. Si tu veux. Normalement, il est là. Ok. Il est là. Il y a lui là qui va me poser problème. Voilà, propre. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas dangereux. Casse-toi, lui c'était vraiment le pire. Oh, attends, il y a lui qui a me posé problème. Décidément. Il y a beaucoup de ballots de foin, c'est cool. Voilà, viens ici, toi aussi, viens ici. J'adore faire ça. Excellent. J'adore quand ça se déroule aussi bien. Ouais, du coup, il a encore deux gardes. Ouais, deux molosses. Voilà, c'est exactement ça que je voulais faire. Et bim! Et voilà! Propre. Propre comme assassinat. Alors, tu as récupéré ta relique? Tout ce sang versé, ça en valait la peine. Un objet d'une si grande valeur. Crois-moi, tu ne le garderas pas longtemps. C'est ce que nous verrons. La cupidité n'engendre rien d'autre que le malheur. L'equiescat in pace. Ah, le serpent! Il m'a mis un coup, cet enfoiré. Putain, je vais mourir. Attendez. Non. Qui êtes-vous? Non. Ne l'ouvrez pas.
Ezio. Dieu merci, tu es revenu à toi. Est-ce que ça va? Qu'est-il arrivé? Je l'ignore. C'est un de mes gardes qui t'a trouvé dans les collines. Près du cadavre de Checco Orsi. Ouais. Je me souviens. Attends. Il y avait quelqu'un d'autre. Il a pris la pomme. Qui? Il portait une bure noire, comme les moines. Et je crois qu'il lui manquait un doigt. Oui, Katerina, je dois partir. Tout de suite. Bien sûr. Tiens, tu risques d'en avoir besoin. La carte dont parlait Niccolò, que ton époux... Ex-époux, Niocteur. Il s'était juré de retrouver la trace de toutes les autres pages du Codex. Tu récupéreras la pomme, mais tu n'arriveras pas au sanctuaire sans cette carte. Ezio, il y a une abbaye dans les marais près d'ici. J'y ai vu des moines vêtus de noir. Commence par là. Allez, retrouve la trace de ce maudit moine. Tu vas beaucoup me manquer, Katerina. Oh, ils disent tous ça. 7000, pas mal. Pas mal. Ah, je crois que c'est suffisant. Oh, je sais pas. Je crois qu'on n'a pas encore assez. Hein. Ah, et du coup, on trouve toutes les pages du codex. Ah, ok. Sympa, cette carte. Elle me rappelle quelque chose, cette carte, c'est vrai. C'est, vous savez, il y a très longtemps, c'est pas moi qui jouais au Assassin's Creed. Quand le 2 était à jour, en fait, quand le 2 venait de sortir. C'était pas moi qui aimais l'Assassin's Creed à la base. C'était mon père, donc du coup, je le voyais jouer au jeu. Il avait justement bien aimé ce Assassin's Creed 2. Et c'est vrai, je me disais, maintenant, ça me rappelle un vieux souvenir. Que parce qu'en fait, je prenais son compte. Des fois pour me balader comme ça, balader, faire tout et n'importe quoi en fait. Et c'est vrai qu'il y avait ce logo, la page du codex. Donc c'était pour ça, un vieux souvenir. Un vieux souvenir. Mais j'aime bien remémorer quelques vieux souvenirs, c'est tellement bien. Ça fait plaisir. Par contre ça, les mémoires spéciales, j'en ai jamais entendu parler. Ils ne disent rien du tout. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc là, franchement, on doit vraiment approcher de la fin. On doit vraiment pas être très très loin. Donc là, en fait, si vous voulez, les amis, il y a marqué hein, notre dernier trophée, c'était la séquence 11. Et la fin du jeu, ça sera la séquence 14. Mais le truc, c'est que je ne sais pas s'ils vont marquer séquence 12 terminée, séquence 13 terminée. Mais si on n'a pas de trophée, pas de panique, c'est normal. Il y en a pas, en fait. Pas de trophée pour ça. Mais je pense qu'il marquera pas séquence 12 et 13. Quand il marquera séquence 14 terminée, c'est qu'on aura fini le jeu normalement. Est-ce que j'ai compris hein. Alors, c'est parti. On va poursuivre encore un petit peu. Loin de l'arbre, explorer l'abbaye située dans les marais de Romagne à la recherche du moine en bure noire qui a dérobé la pomme d'Éden. Ah oui. Bon, au départ, j'aurais vraiment cru que c'était le maestro, justement. Qui nous a volé... voler la pomme. Mais visiblement, ça a pas l'air d'être lui. Alors, est-ce que c'est des ennemis ou pas? Les moines? Normalement, non. Non, les moines n'ont pas d'armes. Le problème, c'est juste les gardes. Ah. Ça, tu vas me dire, je prends. Alors, maintenant, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Même des archers. Mais décidément, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ah, petit point de synchronisation, pourquoi pas? Bah, je le prends avec plaisir. Tu vois, il est petit, hein? Bon, est-ce que je peux rentrer à l'intérieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dégage.
C'est lui. Que Dieu vous bénisse. Grazie. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Que puis-je faire pour vous? Je cherche un moine en burnoir, à qui il manque un doigt à une main. Eh bien, le frère Guido n'a que 9 orteils. À une main, dites-vous? C'est ça, oui. Il y aurait bien le frère Domenico. Le malheureux a perdu son bras gauche. Je vous le répète, c'est un doigt qui lui manque. Attendez un peu. Je me rappelle effectivement un moine qui portait une bure noire, qui n'avait que 9 doigts. Oui, oui, bien sûr. C'était lors d'une fête à l'abbaye de San Vincenzo. Oui, je connais cet endroit. Je vais me rendre là-bas. Grazie. Allez en paix. Je n'y manquerai pas. Bien, merci frère Olka Ham, mais si t'avais du mal à répondre à notre question. Hein. Bon. Comme ça. M.F.R., le mec il est passé par 3 étapes, attends. Il y a bien un mec qui a fait son bras, attends. Hein, tu veux? Décidément, c'est fréquent chez les moines de perdre un doigt, un bras, un orteil. C'est quoi de ce délire? Ouais. Je vais repasser par là, donc il doit être dans la forteresse. Je vais regarder ma carte. Normalement, c'est la forteresse. Hein. Oula. Ouais, par contre, il me zoome un peu trop. Il est un peu trop... Il aime un peu trop le zoom. Ah, là. Voilà, c'est là. Ouais, c'est dans la forteresse. Bien ce que je dis. Ah. Enfin, si j'essaye de finir cette mission là, l'épisode va peut-être être un peu plus long que le précédent, les amis. Il y a peut-être possibilité, à moins que je le finisse là dans les quelques minutes, mais je doute. Il y a un moucheron là qui me fait chier depuis 5 minutes. Ah, il y a un héros, on pourrait le soudoyer, non. La merde. Il n'est pas. Il y avait un forgeron ici. Je reconnais le médecin, il y avait un forgeron non loin. Merde, fais chier. J'aurais bien voulu voir ce forgeron. C'est combien? 22 000 ou 27 000? Moi, je crois que c'est 27 000. Hein. Je crois qu'on se fait avoir. Bon, c'est pas grave, je vais attendre 27 000. Ah ah. Pardonnez-moi, mon frère. Je me demandais si... Ah, maudit démon, c'est encore toi! Va-t'en! Ça ne va pas? C'est toi qui as tué le frère Stefano! Attention! Le tueur de moines est de retour! Voilà! Je ne veux pas mourir. Je ne tue que les meurtriers. Et votre frère Stefano avait du sang sur les mains. Je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Maintenant, écoutez-moi. Je cherche un moine portant une bure noire à qui il manque un doigt. À qui il manque un doigt, dites-vous? Vous voulez parler du frère Savonarola? Savonarola? Qui est-ce? Vous le connaissez? Oui, il était l'un des nôtres autrefois. Et maintenant? Eh bien, nous l'avons encouragé à prendre une retraite amplement méritée. J'ai bien peur que pour lui, les vacances soient terminées. Savez-vous où il se trouve? Attendez, Santo Spirito, à Florence? C'est là qu'il a étudié? Il a peut-être eu envie d'y retourner? Je vous remercie. Allez en paix, mon frère. Ah, c'est lui. Ah bah finalement il marque les séquences, d'accord. Oh du coup on a fait qu'une séquence, wow, la 12 a été super longue. Ah ouais, d'accord, bah du coup faut attendre que séquence 13 terminée, ouais on est encore un peu loin en fait. Sur la séquence 13 ça va être principalement le fight final. Je pense que la séquence 13 ça va être que ça, ça va être que le fight final. Cette mémoire génétique est réparée, tu devrais essayer de l'ouvrir. Mémoire génétique réparée, c'est quoi ça? Quoi ce délire? La fameuse musique de Assassin's Creed 2, excellente.
République Florentine 1497. Ah bah c'est là où que ça a tout commencé, non? La République Florentine. Ah ouais, excellent. Cette OST, je kiffe. Bien. Ah ouais. Petit ciel, petite lune là, qui fait plaisir. Allez les amis, merci d'avoir regardé cet épisode de Assassin's Creed 2, j'espère que ça vous aura plu. Bon bah on est encore un peu loin au final, on a 30 000 ans pour acheter la dernière pièce dès qu'on voit le forgeron. Du coup ouais, on a encore la séquence 13 à faire et la séquence 14 qui devrait être courte. Donc du coup dès qu'on aura fait la séquence 13, là ça sera vraiment la fin. Allez, bye tout le monde.